L'appel qui a été lancé par Son Excellence Monsieur le Président de la République a été saisi, et ici au niveau du ministère de la Santé, parce que nous avons fait l'inventaire du personnel qui avait été, je dirais, chassé de leurs fonctions. Il reste 18. Alors, nous venons de tenir une réunion avec le staff de la direction de l'hôpital Prince Régent. Et quand bien même la directrice n'était pas présente, nous étions avec le DAF et le directeur adjoint chargé des soins. Nous avons vu qu'il y a 13 places disponibles qui correspondent effectivement au profil de ce personnel. Et nous leur demandons de mettre en application en toute diligence l'appel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'espère bien qu'elle-même a écouté l'appel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et de notre côté, nous avons fait notre mieux parce que ça fait 4 mois qu'on a donné une injonction, une lettre officielle, à ce qu'elle puisse mettre en application les recommandations de la Haute Autorité. Et cette fois-ci, nous espérons que de notre côté, nous avons fait notre mieux. Et du reste, l'appel que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé concernait aussi d'autres ministères, notamment le ministère de la Justice et de la Bonne Gouvernance.